Yo l'équipe, c'est Fry, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la duplication sur GTA Stack Online. Énormément facile à faire, vous allez voir que les gars, en même pas 2 minutes vous allez avoir une duplication. C'est un glitch vraiment énorme qui fonctionne sur PS4 Xbox, qui est en plaque propre. Mais le petit hic, c'est qu'il est en duo. Voilà, il est en duo les gars, aidez-vous dans les commentaires. Je vous conseille vraiment de vous aider dans les commentaires. Passez-vous vos PSN, faites-le chacun à votre tour comme vous voulez. Si vous avez un ami, ben y a pas de souci. Mais sinon, aidez-vous dans les commentaires, les gars. Donc, c'est un glitch qui est énormément facile, étant donné que les gars, on pourra faire toutes les 2 minutes une duplication. Donc, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, on va pouvoir se faire facilement 5 millions. C'est vraiment un glitch énorme. Donc, franchement, je vous conseille de le faire à fond. Avant que la game commence, les gars, surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On est bientôt 24 500 sur la chaîne. Donc, continuez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On tente les 300 likes cette vidéo. Et n'oubliez pas de partager au max la vidéo, la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, c'est vraiment important. Avec tous les bugs qu'il y a ces temps-ci. Donc les gars, c'est vraiment pour ce glitch, il vous faudra la boîte de nuit. Il faudra juste la boîte de nuit. Il y en a tellement qu'ils nous ont demandé juste la boîte de nuit les gars. Rien d'autre, pas de complexe, pas de bunker. Donc juste la boîte de nuit avec au minimum un garage. Voilà, hop. Avec au minimum un garage les gars. Voilà. Le top c'est d'avoir tous les garages, tenez que vous pourrez remplir à fond. Mais si vous en avez qu'un, c'est déjà bien. Donc si vous avez le 2, c'est déjà bien. Voilà. Donc il faut au minimum le 2. Voilà. Si vous avez le 2 et la boîte de nuit, c'est déjà bon. Il faudra avoir forcément le centre d'opération mobile. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Le centre d'opération mobile, la team. Avec obligatoirement en module 3 dépôt de véhicule personnel. C'est bien obligatoire d'avoir en module 3 dépôt de véhicule personnel. A l'arrière du centre de paraison B, il faudra mettre une éléguée H8. C'est obligatoire les gars. Voilà, donc on vient ici, tri par prix. Et on met une éléguée H8. Voilà. Et le centre d'opération mobile. Voilà, on en commandonne à l'intérieur. Quand vous aurez fait ça, tout simplement, dans votre garage de la boîte de nuit, vous devrez mettre, les gars, un véhicule à dupliquer. N'oubliez pas qu'on duplique que des Eleguy Retro Custom, ou en tout cas que des Lowrider, que des Retro Custom. N'oubliez pas que c'est la Eleguy Retro Custom qui se vend le plus cher, plus de 1 million de dollars. Mais les gars, enfin 980 000, mais les gars, tout simplement, Eleguy Retro Custom, Trufat Neuro Custom, Italy GTB, etc. Tout ce qui vient de chez Bénis, qui a été transformé, peut se dupliquer les gars. Tout ce qui est super sportif etc ne se duplique pas, n'oubliez pas. Donc obligatoirement soit des Eleguy Retro Custom ou alors des Retro Custom simplement. Voilà, donc vous devrez en mettre en minimum une. Donc si vous en avez trois c'est bien aussi, mais ça changera rien. Il faut au minimum un véhicule à dupliquer dans le garage. Moi pour ma part vous voyez bien que je le fais dans le B3. Et il faudra mettre tout simplement le reste des Eleguy H8. Il faudra laisser un emplacement tout simplement pour un véhicule que vous avez customisé. Moi pour ma part c'était la Taipan celle-là. Mais n'importe quel véhicule customisé, pas une Eleguy H8. Donc que ce soit une Turismo R, que ce soit une Zentorno, enfin ce que vous voulez, mais un véhicule comme le mien. Donc voilà, donc une Eleguy Retro Custom, donc le véhicule à dupliquer, oui. Et les gears H8, et alors le dernier véhicule, vous mettez un véhicule que vous avez custom vous-même. Donc n'importe quel véhicule, comme je le montre bien. Voilà les gars, quand vous aurez fait tout ça, tout simplement on va se rejoindre en session sur invitation. Le Founders, il est dans la description les gars, c'est OB Giraffe. Et petite parenthèse, un gros merci à mon frérot ZRG, tout simplement, qui m'aide dans tous les glitches en duo, etc. Il est toujours là pour m'aider, à chaque fois que je leur envoie un message, il est là, il est présent. Donc merci, merci à toi frérot, ça fait plaisir, ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc voilà les gars, quand vous aurez fait ça, session sur invitation, vous allez inviter votre pote, pardon, et on va pouvoir débuter le glitch. Petite précision avant de commencer le glitch les gars, c'est vraiment bien important de bien mettre tout simplement l'ordre des véhicules comme le mien. Donc le premier véhicule, le véhicule à custom, le véhicule n'importe lequel. Le deuxième véhicule, encore n'importe lequel. Et bien mettre tout simplement comme moi, voilà, vous voyez bien, regardez mon ordre. Tout simplement soit une Eleguy Retro Custom en 5ème position, ou alors une Eleguy RH8 en 5ème position comme moi. C'est comme vous voulez, c'est à vous de choisir la team. Voilà, c'est vraiment à vous de choisir, mais moi je vous conseille de mettre bien le même ordre que moi des véhicules. Donc l'Eleguy Retro Custom en 5ème position et une Eleguy RH8 en 4ème position. Voilà les gars, c'était vraiment juste tout simplement pour vous prévenir. Donc place à la vidéo les gars. Voilà, donc comme j'ai dit, vous aurez bien mis tout simplement les véhicules aux mêmes places que moi et que vous aurez préparé tout le glitch. Vous allez inviter votre ami dans votre boîte de nuit. Jusque là, c'est sur invitation tranquille. Vous allez demander à votre ami tout simplement de vous mettre devant la portière côté passager, comme moi là juste actuellement. Donc là, hop, il va se mettre à la place, à la porte côté passager. Et moi pendant ce temps, je vais tout simplement lancer une mission, un travail d'éditeur par exemple. Donc je vais mettre pause et tout simplement je vais lancer un travail d'éditeur. Vous voyez bien que je suis toujours dans le B3, j'ai bien 3 Eleguy Retro Custom et à la fin j'en aurai 4 sans aucun souci. Vous allez voir, donc activité, joue activité, créé par Rockstar. Et tout simplement une mission de titan. Donc là tout simplement quand je serai dans la mission de titan, je vais inviter un de mes amis. Donc que ce soit par la mission de chat party ou n'importe quelle mission, on s'en fout complètement les gars. Vous l'invitez via le chat party, via le téléphone, ce que vous voulez, tant qu'il est invité. À partir du moment où il va recevoir l'invitation de mission, vous allez tout simplement le
lui dire d'accepter. Donc là, j'ai passé au ralenti pour que vous compreniez bien et que tout soit bien compréhensible. Comme ça, c'est nickel, les gars. Donc tout simplement, là, actuellement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à votre ami d'accepter la mission. Quand il aura accepté la mission, il va tomber sur un premier message d'alerte. Un message d'alerte comme quoi vous allez vraiment rejoindre une session ou une mission GTA 5 Online. Quand vous serez sur le premier message d'alerte, votre ami va vous dire « Ok, je suis sur le premier message d'alerte. » Et là, vous allez quitter l'activité. Lui est toujours sur le premier message d'alerte sans aucun souci. Donc regardez bien. Là, je vais me diriger vers le rond bleu. Lui, comme j'ai bien dit, est toujours dans sur le premier message d'alerte, vous voyez bien. Là, à partir du moment où vous êtes dans le rond bleu, vous allez dire à votre ami « Ok, c'est bon, tu peux tout simplement accepter le premier message d'alerte » et il va tomber sur un deuxième message d'alerte. Là, il va disparaître. Je vais sélectionner mon premier véhicule, donc pour ma part, c'est la Taipan, et je vais l'échanger avec le véhicule juste à côté. Ils vont tout simplement disparaître. C'est nickel. Là, je vais aller tout près de My Legger et Truxtom, je vais sélectionner My Legger et Truxtom et je vais l'échanger. Et oui, bien, regardez bien que la Legger H8 a l'apparence d'une Legger et Truxtom et la Legger et Truxtom a l'apparence d'une Legger H8. À partir de ce moment-là, c'est nickel, les gars, on va courir pour prendre celle qui s'appelle Elegir RH8 et qui a l'apparence de la Elegir Retro Custom. Voilà, donc vous allez bien voir, je sais pas si je vous l'ai bien montré, mais que la plaque va bien se changer. Donc je sais pas si on va bien la voir la plaque, il faut regarder. Donc vous mettez pause si vous la voyez pas et vous allez voir qu'elle va bien changer. Donc là simplement vous sortez la team et vous allez tout simplement pouvoir aller la sauvegarder. Donc là je la passe au ralenti et là on va tout simplement faire la fête du glitch, les gars. Voilà, donc là je pense que vous avez bien compris avec le ralenti, c'est parti. Donc voilà les gars, donc c'est parti, je vous ai mis le ralenti, là on va faire tout simplement le glitch. Donc là quand vous êtes ici, vous allez inviter votre ami. Quand votre ami est sur le premier message d'erreur, comme je vous ai bien répété, je préfère bien répéter ralenti, comme ça les gars, vous allez comprendre à 100%. Donc là, simplement, vous allez quitter quand votre ami est sur le premier message d'erreur. Vous allez vous diriger sur le rond bleu. Voilà, vous dirigez sur le rond bleu, là vous allez dire à votre ami « Ok, c'est bon, je suis au rond bleu ». Là, il va accepter le premier message d'erreur, il va rester sur le deuxième. Là, vous allez changer votre premier véhicule avec celui à côté et vous allez changer votre Elegir Retro Custom avec la Elegir H8. Vous allez voir que la Elegir H8 aura l'apparence d'une Elegir Retro Custom et c'est ce véhicule-ci que vous allez devoir prendre. Là tout simplement vous allez prendre ce véhicule et vous allez sortir dehors avec. Voilà, donc vous sortez à l'extérieur avec le véhicule et vous allez tout simplement les gars aller appeler votre centre d'opération mobile. Voilà, là on arrive, on l'appelle. Donc si ça vous met le message comme quoi votre sorte de passe mobile n'est pas vide, vous sortez simplement du véhicule. Et là, je peux l'appeler, je sors, je rentre dans mon véhicule, et là, je vais aller simplement sauvegarder ma Elegir Retro Custom, les gars. C'est un glitch énorme, facile à faire, vous allez pouvoir enchaîner. Lui, votre ami, est toujours bien sur le deuxième message d'erreur, les gars. Il a accepté le premier, il est sur le deuxième message d'erreur, comme quoi je suis plus dans l'activité. Donc lui, reste bien sur ses messages d'erreur, les gars. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, s'il veut, il peut quitter. Si vous voulez continuer l'éducation, il doit bien rester tout simplement dans, sur le deuxième message d'erreur. Donc lui il doit tout le temps rester sur le deuxième message d'erreur. Donc il peut même être en AFK les gars, il bloque deux joysticks et c'est bon. Donc là seulement je la rentre dans sorte d'opération mobile pardon pour la sauvegarder. Je ressors et vous allez voir qu'à la place de 3 Elegir Retro Custom dans le garage B3, j'en aurai tout simplement 4 les gars. C'est vraiment plutôt pas mal. Et vraiment c'est un glitch hyper facile à faire. J'espère que vous kiffez quand je vous mets des petits ralentis etc. pour que vous bien vous compreniez. Je pense que là ben, vous avez compris à 100%. Si vous n'avez pas compris, je comprends pas comment faire pour mieux vous expliquer. Donc là on arrive et tout simplement on va rentrer dans le B3. Donc pour ceux qui se demanderaient si on peut directement les vendre, vous pouvez si vous voulez, c'est comme vous voulez. Là on arrive, garage B3, garage Play, ça c'est déjà très bon signe. On arrive à l'intérieur et vous allez voir que à la place de 2 Elegir Retro Custom, j'aurai tout simplement 3 Retro Custom, j'aurai tout simplement 4. Voilà, donc là, Elegir H8 orange que vous allez voir, c'est celle qui était dans mon centre de partie mobile. Et là je les change et regardez bien, j'ai 4 Elegir Retro Custom maintenant. 1, 2, 3... et 4 dans mon garage B3. Voilà les gars, donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner les gars. Donc là tout simplement vous voyez bien que mon ami lui c'est est sorti de l'activité parce que moi voilà je n'ai fait qu'une duplication. Mais si vous voulez tout simplement enchaîner le glitch les gars, c'est très très simple. Pour enchaîner le glitch, vous allez devoir votre ami va devoir rester dans le... Donc soit il quitte et vous recommencez la manip, ou alors il reste sur le message et vous alors vous refaites le bug avec tout simplement les véhicules. C'est comme vous voulez, c'est à vous de choisir les gars. Donc encore gros merci à mon frère ZRG de m'avoir aidé pour ce glitch, c'est bon les gars. Je vous souhaite de bons glitchs les gars, profitez-en un maximum. Même si l'audio pour certains ça plaît pas à tout le monde, je peux le comprendre, mais les gars faut vraiment le faire parce qu'il est très 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 facile. Voilà, donc en tout cas je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée les gars. Prenez soin de vous. Demain j'arrête mais demain je mets replay. J'ai pas de piston dans le monde de la musique. Je reste dans mon coin, dans ma cuisine. Je prépare moula, wesh, peu frais et la neige. T'as fait, tu fais de la merde. Tu feras de la merde, toujours de la merde. Classique comme paquet 10 comme paire de gazelles. Classique comme clip de Wu-Tang sur cassette. Classique comme la scène